Coucou les filles, c'est Nathalie de Yornaille. Je me suis rendu compte que j'ai pas mis de rouge à lèvres. Alors, petite astuce, c'était pas prévu, mais quand vous avez les lèvres comme ça, toutes blanches, voilà, frottez-les un petit peu pour faire affluer le sang dans les lèvres. Et en fait, vous allez voir que vous allez colorer vos lèvres. Pareil, hein, pour les joues, si vous trouvez un peu blafard, n'hésitez pas à vous mettre des petites claques. Et vous allez voir que vous allez avoir meilleure mine. Voilà, petite astuce beauté en passant. Donc, aujourd'hui, sujet important. Combien gagne une prothésiste ongulaire? C'est hyper important d'avoir déjà ces métriques avant même de se lancer dans le domaine. Voilà, si vous voulez par exemple vous reconvertir dans ce domaine-là, mais c'est important aussi lorsque vous débutez de vous dire, ben voilà, je fais pas tout ça pour rien parce que je paye mon matériel, peut-être que je demande rien à mes modèles, là ça me coûte de l'argent, en plus la formation et tout. Est-ce que réellement un jour ça va être très rentable? Alors oui, ça peut être très rentable si et seulement si vous avez les bonnes stratégies. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une personne par mois, forcément, hein, vous n'allez pas pouvoir rentabiliser ni votre formation, ni vos produits. C'est bien logique. L'objectif, c'est de déterminer d'emblée combien vous aimeriez gagner et combien de temps vous êtes prêt à travailler. Si par exemple vous travaillez en mi-temps et que vous n'avez pas envie tout de suite d'arrêter le mi-temps et que vous voulez par exemple gagner 1000 euros par mois, eh bien vous allez vous dire, moi j'ai par exemple 20 heures à consacrer à la prothésie ongulaire. Donc sur les 20 heures, voilà, je veux gagner 1000 euros, j'ai 20 heures. Combien de temps ça va me prendre une pause? Donc combien de temps je prends pour une pause et à quel prix je vais faire ma pause? Donc voilà, il faut en fait déterminer ces métriques-là. Donc en fait, comme ça, déjà, ça va vous donner une idée. Mais après, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez pouvoir remplir, j'ai envie de dire, toutes les cases. Pour ça, il faut avoir vraiment les bonnes stratégies. Il faut avoir éventuellement une page d'un site ou un site qui donne envie. Il faut avoir la possibilité, idéalement, hein, d'avoir un agenda où les clients peuvent s'inscrire directement dans votre agenda. Comme ça, vous ne perdez pas de temps au téléphone, vous optimisez tout ça. Et donc ça, je vous l'apprends hein, dans la formation qui s'appelle Création d'entreprise, développement de clientèle. On va apprendre tout ça. On va apprendre comment créer un site internet qui soit joli, qui ne vous prenne pas des jours et des jours à créer. Hein. En une journée, ce sera fait. Dans la foulée, on apprend comment automatiser la prise de rendez-vous. C'est hyper pratique et vos clientes vont adorer puisqu'en fait, elles voient les créneaux disponibles, elles choisissent leur créneau. On peut même mettre en place un système qui va leur envoyer un petit SMS ou un mail la veille ou le jour même, quelques heures avant, pour leur rappeler qu'il y a bien ce rendez-vous. Ça permet de faire baisser également le taux de personnes qui ne se présentent pas parce que les lapins, il y en a pas mal en prothésie angulaire, faut le savoir. Moi, des fois, j'avais la journée pleine et sur la journée pleine, je travaillais que la moitié du temps parce que les personnes bah, oubliaient leur rendez-vous. Finalement, bah, voilà, leurs ongles n'étaient pas si mal que ça, donc elles attendaient. Puis elles me rappelaient plus tard en me disant oups, j'ai oublié. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Ça permet d'augmenter voilà, drastiquement ben, le taux de présence des personnes et aussi, eh bien, du coup, le chiffre d'affaires. Ensuite, se positionner sur des produits bas de gamme, c'est pas forcément quelque chose que je vous propose. Pourquoi? Parce qu'en travaillant avec des produits bas de gamme, vous allez avoir des décollements. Qui dit décollement dit réparation. Souvent des réparations que vous allez faire gratuitement ou vraiment pas cher, vous allez perdre souvent une demi-heure à une heure s'il y a plusieurs réparations à faire. Et donc du coup, c'est pas du tout rentable à long terme de travailler avec des produits bas de gamme. Deuxième avantage que vous avez à travailler avec des produits plus haut de gamme, qui sont par exemple bah, comme les produits que je vous propose, c'est que vous pourrez communiquer sur le fait que les produits sont de qualité et qui sont plus safe que d'autres produits que vous pourrez trouver dans le commerce. À savoir quand même que la plupart des produits actuellement sont de bonne qualité, mais il faut toujours voilà, différencier les produits bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. L'objectif que j'avais personnellement, c'était de vous proposer des produits haut de gamme à un tarif de produits moyenne gamme. Donc du coup, ben voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix puisque vos poses vont tenir, vos clientes vont être satisfaites. Et si elles sont satisfaites, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la meilleure des publicités, c'est le bouche à oreille.
C'était comme ça dans le temps, ce sera comme ça à l'avenir, ce sera toujours comme ça. Le bouche à oreille, on fait confiance aux gens naturellement qui nous conseillent quelque chose. Surtout si on voit que la personne est honnête. Si c'est une amie ou quoi que ce soit qui dit « Waouh, regarde, j'ai jamais eu des ongles aussi bien faits, je suis trop contente, en plus elle est super sympathique ben, », vous imaginez bien que la copine, ben, elle ira plutôt là plutôt que dans un autre institut où elle n'a voilà, aucune référence, où elle ne sait pas comment ça va se passer, ou voilà, elle n'y connaît rien. Donc, la meilleure pub, ce sera la satisfaction cliente. Moi, par exemple, ma meilleure pub pour mes formations, bah, c'est que je suis notée quasiment 5 sur 5 sur Facebook, sur Google, sur le CPF également, je suis notée quasiment 5 sur 5 partout. Alors c'est 4,97 ou voilà 4,98, quasiment 5 sur 5. Voilà, j'ai peut-être eu une note de 4 sur 5, mais voilà, ça arrive très rarement. Et donc du coup, c'est ça qui va donner l'envie aux gens de travailler avec vous. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir rapidement vous créer une clientèle qui soit stable dans le temps. Autre conseil pour bien gagner votre vie, c'est de tout de suite reprendre le rendez-vous. C'est-à-dire que si par exemple la cliente souhaite continuer à faire régulièrement les ongles, c'est-à-dire pas que pour une occasion, c'est-à-dire juste un mariage ou juste ci ou ça. D'ailleurs si elle a juste un mariage, hein, proposez-lui de lui faire la pose et proposez-lui les... j'arrive plus à parler. Proposer. Il faut savoir que je suis malade. J'ai une presque une bronchite. Heureusement là, je tousse pas, mais voilà. Désolée. Hein. Faut lui proposer un pack avec la pose et la dépose, parce que sinon, elle va vouloir elle-même s'arracher les ongles ou se limer les ongles, et du coup, elle va faire souvent des bêtises. Donc, surtout proposez-lui ça. Comme ça, elle n'hésiterait pas à venir pour une dépose chez vous. Vous serez prévenu que ce sera juste pour une fois et du coup, ben voilà, on reprend tout de suite le rendez-vous pour dans un mois par exemple pour faire la dépose. Mais si par exemple la personne veut continuer d'une fois à l'autre et qu'elle a un peu son planning déjà de fait, eh bien vous pourrez lui proposer de directement reprendre un rendez-vous. Donc vous pourrez vous-même aller sur le site et bloquer le créneau. Et si elle ne sait pas encore, bah, expliquez-lui bien le concept du site et de justement bah, pouvoir s'inscrire sur ce site. Donc du coup, bah, ça fait très professionnel et ça lui donne bah, la possibilité de le faire d'elle-même. Donc voilà, ça va être une petite astuce également pour créer une certaine fidélité au niveau de vos clientes. Mais ça, je vous en parle également dans la formation. J'ai également une stratégie dans la formation création d'entreprise qui vous permet de totalement rentabiliser à la fois les produits et la formation, c'est-à-dire faire un autofinancement. C'est-à-dire qu'avec vos premiers modèles, eh bien, vous pourrez financer la formation et les produits. Donc du coup, vous avez comme ça, bah, vous revenez finalement à zéro, ou alors même vous commencez à gagner de l'argent dès les premiers mois. Puisqu'en fait, je vous propose de financer la formation jusqu'en 12 fois si vous ne passez pas par le CPF. Et donc du coup, bah, le montant qui équivaut à une des mensualités, eh bien, va être couvert par la participation des modèles dans un premier temps, enfin même plus loin après. Hein. Après, voilà, vos modèles vont devoir, vont devenir, pas devoir, mais vont devenir vos clientes si vous travaillez bien. Si vous travaillez pas bien, n'espérez pas les revoir. Par contre, bien sûr, hein, quand on est au début, on fait des erreurs. Et c'est pour ça qu'il faut idéalement travailler sur soi, sur sa famille, sur des amis, dans un tout premier temps, pour faire les erreurs sur eux. Ils seront plus compréhensifs et ensuite passer sur des personnes plus inconnues. Voilà, les voisines et après, on va de plus en plus loin. Mais en tout cas, c'est un métier dans lequel vous pouvez réellement vous épanouir et vous pourrez réellement très bien gagner votre vie. Je vais vous mettre ici des extraits de témoignages de mes élèves qui vous diront qu'elles gagnent en moyenne 2000 euros net par mois, ce qui est bien souvent bien plus que ce qu'on gagne en tant que salarié. Et en plus de ça, il y a des périodes où ça peut monter jusqu'à 4000 euros. Même, ça peut monter encore un peu plus si par exemple vous décidez de faire de la vente à côté ou quoi que ce soit. Voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Et donc du coup, vous pourrez très bien viser un très bon salaire. Pour moi, 2000 euros, c'est déjà un très bon salaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que si vous gagnez 2000 euros par mois, net, vous êtes tranquille. Et donc du coup, ben voilà, sans avoir les déplacements, l'essence...
voilà, éventuellement, ben, vous pourrez, je sais pas, moi par exemple, je travaillais avec ma fille qui jouait à côté, ça posait pas réellement de problème. Elle savait que je travaillais, donc voilà. Bon, elle était plus loin hein, quand même, et il faut un bon aspirateur à poussière pour pas que ça crée un environnement qui soit pas bien pour les enfants. Mais à la limite, vous pourrez éventuellement travailler avec vos enfants à côté. Hein. Alors, un enfant n'est pas un autre. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont très maman-maman, qui vont tirer par le bras, mais d'autres, voilà, vous n'aurez pas forcément besoin de les faire systématiquement garder par une nounou ou en crèche. Et ben, du coup, moi je trouve que c'est plutôt cool et ça fait économiser de l'argent. Là, on voit que l'essence, ben, il est à un prix juste terrible. On voit que ben, les voitures, ça se dégrade. Il y a l'usure, hein, le déplacement et tout. Ça coûte de l'argent en réparation. Tout ça, c'est des frais que vous n'aurez pas. Donc, si vous enlevez encore ça, eh bien, c'est encore de l'argent en plus dans votre poche, si on veut. C'est-à-dire que si vous gagnez par exemple 1500 euros, mais que vous avez 300 euros d'essence, de frais de réparation et d'usure de la voiture par mois, ben, au final, vous gagnez quoi? 1200. Donc, voilà, il y a, même si vous gagnez que, j'ai envie de dire, 1500 euros par mois ou même 1400 euros par mois, admettons, vous gagnez moins avec la prothésie ongulaire que le métier que vous faisiez, au final, vous êtes encore gagnante de 200 euros puisque vous n'avez pas ces frais d'essence, de tout ça. Et là, je compte même pas la garderie ou quoi. Hein. Donc, vraiment, ça peut être très, très, très rentable. Mais il faut mettre en place les stratégies que je vous donne. Si vous n'avez pas ces stratégies, malheureusement, vous allez faire comme la plupart des personnes, ouvrir, essayer pendant quelques mois parce que vous n'avez peut-être pas les bonnes astuces, pas les bons produits, pas les bonnes choses, pas les bonnes attitudes aussi, puisqu'il y a des attitudes à avoir bien particulières avec la cliente pour qu'elle se sente réellement bien, pour que vous créez une expérience particulière. Et ça, c'est l'objectif de la formation, c'est de vous apprendre tout ça, à créer vraiment une expérience, plus que juste une prestation. Et donc, du coup, vous allez vous démarquer comme ça par rapport aux autres et vous pourrez même récupérer des clientes insatisfaites des autres personnes qui travaillent autour de chez vous. Donc, si vous vous dites, j'ai de la concurrence autour de chez moi, je ne pourrais pas développer cette activité, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est tellement important de comprendre que les personnes vont venir certes pour la prestation, mais ils vont venir pour vous également. Moi, j'avais des personnes qui faisaient plus de 100 km pour venir me voir moi dans un tout petit village alors qu'elles habitaient dans une ville de plus de 200 000 habitants. Donc Strasbourg, hein. Strasbourg et Metz, c'est juste très très grand comme ville et il y a juste des centaines de prothésistes ongulaires et elles décidaient de venir chez moi dans un tout petit village de 2000 habitants. Pourquoi? Pour moi. Alors c'est un peu narcissique de dire ça, mais pour les poses que je leur proposais bien sûr, mais aussi pour le relationnel qu'on avait. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire votre différence. Donc si vous avez de la concurrence autour de chez vous, dites-vous toujours que si vous faites mieux, eh bien les clientes seront peut-être motivées à venir chez vous. Donc ce sera pas de la concurrence, mais au contraire, eh bien ce sera des clientes qui vont venir facilement. Très très fort dès le début. Les chiffres n'ont fait qu'augmenter. Les objectifs que j'ai atteints là aujourd'hui, c'est des objectifs que je me suis fixés au bout d'un an. Donc je les ai atteints au bout de 2 mois. Ah oui. Et ben. Donc, ça a été. Enfin, et là, c'est en train de prendre une ampleur. Enfin, ça fait plaisir de voir que le travail est reconnu. Aujourd'hui, c'est une activité où tu peux en vivre. Tu arrives à te dégager un salaire? Oui, largement. Pourtant, mes prix ne sont pas exorbitants parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à Marseille. Bon, Marseille, ça n'avait pas la réputation d'être des personnes qui... Enfin, voilà, je ne touchais pas forcément les bonnes personnes, peut-être moi aussi, parce que j'étais au début de ma formation. Donc, c'est vrai que mes poses n'étaient pas aussi belles qu'aujourd'hui. Et maintenant que j'ai déménagé, j'ai augmenté mes prix. Mais bon, je suis à 35 euros la pose. Je ne suis pas non plus à 50, 60 euros. Et j'arrive, oui, à très bien gagner ma vie. Enfin, quand on déduit tout ce que j'ai à déduire, les impôts, l'assurance maladie, tout ça, je m'en sors quand même à presque 2000 euros. Donc, je veux dire, on vit bien avec 2000 euros en travaillant à la maison, en n'ayant pas de charge, on n'utilise pas la voiture, on n'utilise pas machin. Donc, je pense que... Voilà, après avoir tout payé, j'arrive à me dégager 2000 euros de salaire. Donc franchement, je vis bien. Je suis plus factrice du tout. Et j'arrive donc à avoir un bon salaire uniquement avec les ongles, qui est quand même de 2000 euros net tous les mois. Après, c'est évolutif.
Il y a des mois, bah, comme par exemple à Noël, où on va vraiment bouffer des heures. Là, on peut aller jusqu'à 4000 euros. C'est vraiment un domaine où si vous êtes motivé et que vous travaillez énormément, vous pouvez gagner, on va dire, de l'argent très facilement. Une pause donc, c'est 50 euros. Si vous en faites juste 5 dans la journée, vous voyez, votre journée est vite remplie. Et votre porte-monnaie aussi. Voilà. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment foncer. Si c'est ce que vous voulez faire, il faut se donner la chance de le faire parce que, enfin, moi, personnellement, je regrette pas du tout. Voilà. Donc, vous avez vu le petit extrait. Et puis, ben voilà, si vous avez envie de continuer avec moi, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez vous inscrire via le CPF si vous le souhaitez ou en inscription personnelle. Pour le CPF, vous allez sur le site yornel-international.com dans la partie financement CPF, vous descendez tout en bas de la page. Vous cliquez sur les images, il y a des vidéos explicatives, vous y arriverez. Si vous passez par un financement personnel, c'est dans la partie formation pro. Vous cliquez sur styliste ongulaire niveau 1 et là, il y aura tout qui est très intuitif également. Vous cliquez sur le bouton, vous continuez les étapes et vous pourrez commencer dans les 5 minutes. Voilà, je vous dis un énorme merci. Merci de me soutenir avec vos likes, vos partages et merci de vous abonner si vous aimez mon contenu. Je vais vous faire plein de prochaines vidéos également où je vais prendre des vidéos sur YouTube de débutantes et de moins débutantes et je vais décrypter ce qu'elles font. Je vais vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça va vous permettre en tant que débutante de justement savoir ce que vous devez faire et surtout pas faire. Donc je pense que c'est des vidéos qui vous permettent vraiment de progresser, donc très intéressante sur ce point-là. Voilà, pour ma part, eh bien, je vais faire les courses et récupérer ma fille. Et je vous dis un énorme bisou. Je vous dis à très très bientôt. Passez une très belle journée. À bientôt. Bye.